بسم الله الرحمن الرحيم dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut faire réinitialisation dans notre tomate. Par exemple, j'ai un tomate qui c'est-à-dire les paramètres internes pas de les paramètres où il existe un défaut et j'ai pas pu corriger ce défaut. Donc là, on peut réinitialiser notre tomate comme si j'aime l'usine. OK. Donc parfois on se dit comme l'année j'ai un problème au niveau programme, j'ai pas pu charger une trois fois le programme, j'ai pas pu connecter à notre tomate. Donc ici donc il permet de réinitialiser tout le programme, même au niveau le firmware qui se trouve au niveau automate. Comment on peut faire ça? Donc on va créer un projet. Je vais vous donner vue de projet. Je vais vous donner accès en ligne. Mais bon, monsieur, je vais vous donner 4 réseaux de votre PC. Pour mon cas, ma test que c'est le PC, le 4 réseau, t'as le PC MTS et Realtek. On va cliquer sur mise à jour, mettre à jour les abonnés accessibles. Donc, là, il y a un automate, l'adresse interne, il est connecté à 4 réseaux. Hello, là. PLC1. Je suis en ligne diagnostic, c'est-à-dire je vais faire diagnostic en ligne directement, je dois aller à notre automate. Je me suis donné les fonctions, donc je vais aller faire le masbo bafi, les 4 automates de taille, CPU 12-11. Donc là, je suis réinitialisation en paramètres d'usine. Donc je vais l'adresse IP, le masbo bafi, l'automate de taille. Si tu veux réinitialiser, vous voulez conserver l'adresse IP, traduit l'année. Si vous réinitialisez même l'adresse IP, clique l'année. Et on clique sur réinitialiser. Oui. Oui. Donc l'année, comme vous remarquez, l'adresse du chiffre l'année, c'est 0000. L'automate, comme si j'aime l'usine, ça a réinitialisation totale de notre programme. Comme si l'automate vient. Merci pour votre attention.